Bonjour, c'est Elena de la boutique Geneva Cakes. On se retrouve au rayon pâte à sucre aujourd'hui. Est-ce que c'est pour parler de nouvelles techniques, de nouvelles marques? Non, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui était celui de qu'est-ce qu'il se passe lorsque vous voulez tout d'un coup vendre vos gâteaux. Hein, tout d'abord, je vais vous raconter un peu comment moi je perçois en tant que commerçante. Moi-même, je ne vends pas de gâteaux, que ce soit clair. Moi, ce que je vous apporter dans cette vidéo, c'est plus l'aspect commercial et aussi l'envie de vous dire, ne vous faites pas avoir, ne vendez pas votre temps gratuitement. Les gens qui travaillent gratuitement sont toujours très occupés. Alors, qu'est-ce que j'observe? Principalement, j'observe que les gens, des fois, ils ne pensaient pas vendre leur gâteau. Ils découvrent la pâte à sucre et le cake design. Je prends le cake design plus particulièrement par rapport à la pâtisserie traditionnelle parce que souvent les gens ne se rendent pas compte à quel point on peut passer du temps sur des gâteaux de cake design. Pâtisserie traditionnelle aussi, si on veut travailler bien les ingrédients et tout, ça prend du temps et les valoriser aussi. Mais le cake design est particulièrement fort dans l'aspect de, pour finir, n'a pas avoir de limite dans combien de temps on peut passer sur un gâteau. Alors moi, je vous observe dans ma boutique. Je vous vois venir pour votre premier gâteau en pâte à sucre, pour votre fils, pour votre neveu, pour votre sœur. Vous êtes tout content, vous avez découvert ce nouvel art, vous êtes un peu artistique, vous avez la fibre du bricolage, vous avez déjà fait de la pâtisserie et vous découvrez ce nouveau moyen d'expression. Alors vous êtes là pour votre premier gâteau, on vous conseille, vous achetez un rouleau, un peu de pâte à sucre et vous voilà parti à la découverte du cake design. Et vous commencez à revenir parce qu'après votre premier gâteau, quelqu'un d'autre vous en demande un autre ou bien pour un autre membre de votre famille. Et peu à peu, vous commencez à faire les gâteaux pour tout le cercle familial. Pas de problème, c'est votre passion, votre temps libre, vous en faites ce que vous voulez. Bien, ensuite, la deuxième étape, vous commencez à faire pour des amis. Et peut-être, si c'est des amis un peu éloignés ou de la famille un peu éloignée, vous ne demandez pas à être payé, non, parce que vous êtes une débutante, vous n'allez pas oser. Mais vous allez demander simplement à ce que la personne paye les ingrédients, paye le matériel, la pâte à sucre. Et ainsi, vous allez avancer peu à peu. Et à un moment, sans vous en rendre compte, vous allez passer de amis et connaissances à amis d'amis ou personnes que vous ne connaissez pas et qui vous appellent parce qu'on leur a dit que vous faisiez des gâteaux. Et là, faites attention. Votre temps vaut quelque chose. Même si vous êtes un débutant, et là je parle surtout pour Genève, il y a un salaire minimum. Sur votre gâteau en pâte à sucre, la personne ne se rend pas compte, mais vous allez peut-être y passer une nuit. Alors, si au début, pour vos amis et vos proches, j'étais d'accord de faire juste les ingrédients, assez vite, si vous décidez de vendre pour d'autres gens, alerte 1, inscrivez-vous au SCAV, service d'hygiène, un petit cours de 2 jours et c'est parti. Vous ne pensez pas en faire votre métier, vous pensez juste que ce soit un hobby qui vous amène un peu d'argent, vous devez vous inscrire. Et si vous êtes encore dans la phase de faire des gâteaux pour vos amis et vous considérez de justement passer au gâteau payant, au gâteau vendu, consultez déjà un peu la SCAV, regardez les conditions, ils ont des dossiers, ils ont des infos, ils ont ce cours de 2 jours justement, pour ne pas faire un projet et vous rendre compte que quelque chose vous empêche d'agréer votre cuisine. Je pense principalement aux animaux de compagnie, mais lisez l'information avant de vous rendre compte que quelque chose ne va pas jouer. Donc là, vous passez cette étape, vous êtes inscrit au SCAV, alors vous avez fait votre page internet, Instagram, Facebook, vous mettez en ligne quelques photos, vous dites « contactez-moi, gâteau, cake design, fait maison, regardez mes images et je vous fais un devis ». Les premières commandes arrivent, vous faites des prix encore très gentils parce que vous n'avez pas fait le calcul, vous êtes venu là, pas tant par hasard, mais un peu par intérêt, par passion, parce que vous vouliez peut-être avoir un peu d'argent en plus. Et vous n'avez pas réfléchi à vos prix. Alors les gens, quand ils vont vouloir négocier, vous n'oserez pas dire « Écoutez, le prix, c'est le prix. » Vous allez baisser vos prix. Vous allez faire des efforts que les gens ne verront pas. Vous allez passer des nuits entières pour finir des gâteaux à temps. Et cela peut avoir un effet sur vous, si vous ne savez pas mettre la limite. Et là, pour finir, quand vous venez en boutique, je vois plusieurs cas. Je vois ceux qui arrivent épuisés parce qu'ils ont fait des efforts, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et en même temps, leur travail n'est pas rémunéré à la bonne hauteur, leur travail n'est pas reconnu. Et un jour, soit ils arrêtent de vendre et ne font que pour la famille, tant mieux. Soit ils sont complètement dégoûtés par la pâtisserie et ce sera une passion qui aura fané. Ensuite, la troisième catégorie réussit justement à valoriser son travail suffisamment pour que cela en devienne un travail à temps partiel. Vous allez me dire, par où commencer? Lorsque je dis au client que son gâteau va être 150 francs,
qui me paierait la marchandise, l'électricité, c'est mon calcul et tout ça. Il me rit au nez, il va voir ailleurs. Et il y aura toujours quelqu'un pour travailler moins cher. Mais en même temps, il y aura toujours des gens pour accepter de payer le vrai prix. Vous aurez peut-être un ou deux gâteaux vendus en moins, mais votre modèle tiendra la route. Si quelqu'un vient négocier avec vous le gâteau, n'hésitez pas à avoir un peu de détails. Bonjour, petit WhatsApp, petit message internet. Je cherche un devis pour un gâteau pour ma fille. C'est tout simple, je veux la traditionnelle licorne avec la corne, les oreilles en pâte à sucre. Mais je veux bien sûr aussi la crinière en crème au beurre, si possible. D'ailleurs, ma fille aime les licornes, mais aime aussi les abeilles. Alors, je lui ai ajouté 2-3 modelages d'abeilles qui voguent sur la tête de la licorne. Pas de soucis, madame. Pour combien de personnes? Ah, je suis pas sûre, entre 15 et 20. Écoutez, c'est une donnée importante pour le devis du gâteau. Partons sur 20, ça veut dire 20 cm. Mes tranches de base coûtent 8 francs, un ingrédient de base. C'est vanille, vanille ou chocolat, chocolat, ou bien chocolat et vanille, chocolat. C'est vraiment des choses de base à 8 francs la tranche. Couverture de base et tout, ça veut dire pour 20, on est déjà à 160. La corne et les oreilles, c'est assez simple à modeler. 15 francs en plus, la crème au beurre et les décorations de la crinière, on va dire encore une quinzaine de francs. Et ensuite, vous voulez les petites abeilles, c'est simple, je peux les faire en pâte à sucre comme discuté. 2-3 abeilles aussi, 15 francs, ça veut dire la corne et les oreilles 15, la crinière 15, les abeilles 15. Ça nous fait 3 fois 15, 45 plus 160, 205. Auquel vous voulez la planche et la boîte, je suppose, pour le transport. Mm-hmm, parfait, planche et boîte, vous faites le forfait à 10 francs. Donc 215. Je ne fais pas de livraison, donc il faudrait venir chercher le gâteau chez moi, à votre résidence, ou si vous n'aimez pas que les gens viennent chez vous, non loin d'où vous habitez. Ah, mais c'est un peu cher. Écoutez, c'est 215. Mais si vous voulez, on peut enlever les petites abeilles. Ça nous fait déjà 15 francs de moins. On descendrait à 295. Ah ouais, non, mais les petites abeilles, j'y tiens. Bon, écoutez, sinon la corne et les oreilles, à la place de les modeler moi-même, je peux en prendre en plastique. Là, vous pouvez faire un système de caution en disant si avec 5 francs et avec une caution de 5, si vous me les ramenez. Pour faire une caution, ça vous permet de récupérer ce qui est récupérable. Et donc là, de 215 moins 15, etc., vous négociez comme ça. Je ne baisse pas le prix de bas. Je regarde élément par élément comment on peut simplifier le gâteau pour que la personne paye moins. Mais toujours, votre travail sera rémunéré parce que la personne sait qu'elle aura moins cher parce qu'elle demande plus simple. Autre exemple. Écoutez, c'est un gâteau pour 20 personnes, prix de base de la tranche chez moi, parce que je travaille avec des ingrédients de qualité, c'est 10 francs, c'est du bio. Hein? Donc 20 tranches, ça veut dire 20 cm x 10 francs, on arrive à 200. Prix de base pour un gâteau bio à l'intérieur, pâte à sucre à l'extérieur, le nom de l'enfant, la bougie, la planche et la boîte. C'est cher, oui c'est cher. Est-ce que vous êtes vraiment 20? Non, mais tout compte fait, on va être que 10. Écoutez, malheureusement, 20 cm, c'est ma taille minimum. Ou bien, non, on peut aller plus bas à 15 cm, ce qui correspond peut-être à, je n'ai pas les tailles en tête, 12 parts. 12 parts fois 10, on commence à 120. Ah, 120, c'est plus dans mon budget. Parfait, j'en aurai quand même assez pour 15. Écoutez, c'est les tranches standards, vous pouvez y arriver. Voilà, j'espère que vous prendrez ces quelques conseils, ces quelques pistes de réflexion. Pour ce qu'elles sont, c'est simplement qu'en boutique, malheureusement, on observe certaines personnes qui viennent, puis qui viennent de plus en plus, qui sont enthousiastes et tout, et qui vont, au bout d'un moment, viennent avec des cernes jusqu'au menton en disant « Ah, j'ai encore passé toute la nuit pour faire un gâteau pour la cousine de ma belle-sœur. Elle me paye juste les outils, mais vous savez, j'apprends, c'est normal. » Apprendre, c'est normal. La passion, c'est normal, mais au bout d'un moment, si vous y passez vos nuits, que vous êtes épuisé, que vous perdez le temps avec votre famille, que vous perdez le temps pour d'autres choses, pour faire plaisir à quelqu'un qui dira, ils sont pas tous comme ça, hein, mais qui dira à peine merci et qui sera juste content d'avoir un gâteau pas cher. Il faut savoir que vous-même, vous devez poser des limites. Vous devez vous dire, non, ça je suis d'accord, là je suis plus d'accord. Vous avez fait un gâteau cake design qui vaudrait peut-être 200, 250 francs. Personne n'a payé que le matériel. Il y en avait peut-être pour 50 ou 60 francs. Et vous, vous y avez passé 8 heures.
C'était une question qu'il est important de se poser en ce début d'année pour tous ceux qui auraient des projets. Quand vous passez en boutique, souvent vous me posez la question « Combien je dois vendre mon gâteau ?» J'ai donné quelques pistes dans cette vidéo. Principalement, calculez exactement combien coûte la tranche, définissez les tailles des gâteaux standards. Celui que je me souviens toujours, c'est 20 cm rond, c'est pour 20 personnes. Définissez un tableau de base pour un gâteau de 20 parts, 8 francs la part, comme base, qu'est-ce que ça inclut? Donc, pâte à sucre et nono. Et tout ce qui est en sus se calcule et tout ce qui est négocié s'enlève. Libre à vous de faire des cadeaux fidélité. Vous avez 10% sur le prix total, mais marquez le prix total. Je vous offre le travail, mais marquez le prix total de la personne qui vous paye que les ingrédients en disant « Tu m'as payé les ingrédients et les outils. » Je te signale quand même que j'ai passé 8 heures sur ce gâteau. Il vaudrait donc rien que la part de mon travail, 160 francs. Exprimez-vous, exprimez la chose qui vous en coûte. Plutôt que dormir cette nuit, j'ai fait ton gâteau. Ça a été mon plaisir, mais sache que ça m'épuise. Osez signaler à vos amis qui disent « Oui, mais tu peux même le faire et tout. Toi, tu l'as fait si bien. » Que oui, vous aussi, vous avez droit à une vie. Vous aussi, vous avez droit à profiter de votre hobby sans vous en épuiser et vous en lasser, pas tant vous en lasser, mais vous en dégoûter. J'espère que ces quelques paroles seront vos guidées pour ce début d'année. Si vous avez des questions plus précises, posez-les moi en commentaire. Je ne savais pas trop comment orienter cette vidéo, mais ce que je veux que vous reteniez, c'est annoncez-vous au SCAV, service d'hygiène, le plus vite possible pour Genève, pour les autres cantons, vérifiez ce qu'il en est. Valorisez votre travail, même si vous êtes un débutant, votre temps vaut quelque chose. Vous avez choisi de passer du temps sur des gâteaux et pas avec votre famille, pas à dormir. Votre temps vaut quelque chose et ne baissez pas le prix de vos gâteaux sans en contrepartie les simplifier. N'oubliez pas, si vous regrettez de ne pas avoir demandé plus, c'est que vous auriez dû demander plus. Voilà. Alors, j'espère à bientôt. J'espère que vous n'êtes pas déjà dans la phase dégoûtée par la pâtisserie. Et on se retrouve à bientôt en boutique ou en ligne. Et en attendant, à vos gâteaux !